Ravi de vous retrouver, chers amis de Drummondville et de la région. Cette semaine, j'accueille Maurice Vallée, un historien originaire de Saint-Germain-de-Grantham. Il sera question des récentes études archéologiques qui ont été menées près du parc Ouédiat et du contexte dans lequel cette place d'armes a été érigée. Soyez les bienvenus. Maurice Vallée, bonjour. Bonjour. Je suis content de vous avoir parce que, à titre d'historien, vous allez nous expliquer un peu là, c'est quoi l'importance des fouilles archéologiques. Parce qu'il y en a eu à Drummondville là, récemment. Là. C'était pas la première fois, il y en avait déjà eu avant, l'autre bord de la rivière. Oui. Puis, je voudrais savoir pourquoi on fait des fouilles archéologiques à Drummondville. Qu'est-ce qu'il y a de si important à faire ça? Parce qu'il y a des coûts là-dedans, quand même. Là. Oui, oui, oui. Bien, si on fait des fouilles du côté de Drummondville, la rive gauche, et Drummondville, la rive droite... Un peu comme là. Paris, là! Oui, c'est ça. c'est qu'il y a eu la fondation de Drummondville, c'est faite dans ce coin-là, dans le coin du stationnement à l'arrière de la rue Heriot. Oui. Dans le sens que il y avait des magasins, des casernes de vétérans qui se sont installés là, pour ensuite aller défricher leur terre un peu partout dans le canton de Wickham, dans le canton de Grantham, etc. Oui. Donc, c'est le lieu qu'on considère comme étant celui qui a fait naître le Drummondville qu'on connaît aujourd'hui. Mais à l'époque, Drummondville, ça englobait plutôt la MRC de Drummond, dans ouais. le sens qu'il y a des gens qui se sont installés du côté de Saint-Charles, de Drummond. Ouais. Il y en a d'autres qui sont allés du côté de Wickham et ça allait jusque dans le 9e arrêt, 10e arrêt. C'est la même chose un peu dans le canton de Grantham, c'est allé jusqu'au 6e arrêt. Ouais. Puis les gens ont déménagé aussi, ils ont vendu leurs terres, sont allés s'installer dans le canton de Durham, dans le canton de Kingsey, dans le canton de Wendover. Donc, c'est à partir de Drummondville que ça ouais, s'est fait. Quand on parle de Drummondville, lors de la naissance de Drummondville, c'est plutôt la MRC. On parle de ouais. la MRC de Drummond. C'est ça. Le village de Drummondville, il est né en 1874 et non pas en 1815 comme on pense okay. habituellement. Okay. 1815, c'est l'arrivée de Georges-Frédéric Herriot. C'est ça. Avec à peu près autour de 300 vétérans de la guerre de 1812. OK, avec le régiment des voltigeurs, là, c'est ça, là, hein? Oui, le corps des voltigeurs. Le corps des voltigeurs. C'était pas un régiment comme tel de ouais. l'armée britannique. C'était un corps de milice volontaire, bien entraîné. C'est ça. Mais c'est pas eux qui étaient les principaux fondateurs, si on veut. Il y en a eu très peu de voltigeurs qui sont venus s'installer à Drummondville. Le noyau dur de 1815, c'est les vétérans du 49e régiment d'infanterie. Et Herriot, d'ailleurs, a fait ses classes dans ce régiment-là. C'est pas un ancien ouais. du corps des voltigeurs, Herriot. Herriot a fait ses classes tout jeune, à partir de 16 ans, je crois. Et il a été l'émule de Isaac Brock dans le 49e régiment d'infanterie. Okay. Il a été envoyé en Amérique, à Québec, et le 49e est installé là-bas. Ouais. Il y a eu la guerre de 1812. Ouais. À l'événement de la guerre de 1812, on a muté Herriot au corps des voltigeurs comme major intérimaire ouais. pour seconder... On dit seconder Salaberry. Oui. Mais dans les faits, si on regarde comment fonctionnait l'armée britannique à l'époque, quand c'était des corps non britanniques où il y avait beaucoup d'indigènes, oui. entre guillemets, on mettait en sous-commandement, si on veut, oui. des Britanniques de pure race. OK, oui, c'est ça. Dans le régiment, par exemple, de Meuron, qui était un régiment suisse, il y a eu des vétérans oui. qui sont venus s'installer ici. Le commandant en second, si on veut, c'était Robbins. Robbins était un londonien de pure race.
C'est la même chose avec Elliott. À côté de Salaberry, qui était un Canadien français, oui. On a mis un Jersillais, Elliott, oui. comme commandant second. Commandant second, parce que là, c'est militaire, la patente. Là. Oui. À Drummondville, ce qu'on veut, il y a des casernes qui sont construites là, oui. là à la place du stationnement là, du parc Woodyard, parce que le but était militaire. Pourquoi c'était militaire? Qu'est-ce qu'il y avait à Drummondville qui se défendait contre qui, là? C'est à partir de la guerre de 1812 puis à partir des années 1700, ouais. la rivière Saint-François, ça a toujours été un sentier de chasse pour les Abénakis, mais un sentier de guerre aussi. À la fois pour les Abénakis pour aller faire des raids en Nouvelle-Angleterre, ouais. mais à la fois aussi pour les Anglais, les Britanniques de la Nouvelle-Angleterre sur le Bas-Canada. OK. Bon, c'est ça. Éventuellement pour se défendre contre... Des invasions américaines. Ouais. Il y en avait déjà eu une contre le village Abénaki, Odanak aujourd'hui. C'était le major Robert Rogers avec ses Rangers qui sont montés un bout par le biais de la rivière Saint-François pour aller incendier le village de Odanak. Ah ouais, mais il faisait du portage. Il était obligé de faire du portage oui, parce que oui, ça ne se fait pas oui. dans la rivière Saint-François. Ah non, non. Mais il y avait des pas des interprètes, mais des guides soit Abénaki quand on s'en allait du côté de la Nouvelle-Angleterre, et il y avait des guides Mohicans quand on voulait attaquer la Nouvelle-France ou le Bas-Canada. OK, ouais. Alors, ces incursions-là, par le biais de la rivière Saint-François, okay. de part et d'autre, là, ça commence à partir des années 1700. Et vers 1812, on sait, la couronne britannique, les stratèges militaires sont à Québec, ouais. ils savent que les Américains, un gouverneur américain, entre autres, qui a un bon plan pour envahir le Bas-Canada par le biais de la rivière Saint-François. Ah, ouais. Donc, Donc, il fallait se défendre, il fallait mettre une forteresse. Ouais, oui et non. Dans les premiers temps, c'est les Abénakis. On va installer les Abénakis qui étaient des alliés des Français oui. sur cette rivière-là, à Odanak, pour empêcher la venue, qui servent aussi de piquet pour avertir qu'il y a une invasion. Et quand arrive Elliott, c'est la même problématique. On veut absolument qu'il y ait une espèce de poste de défense, 300 vétérans avec leurs familles. Et dans ces vétérans-là, il y a des vétérans du duc de Wellington qui ont fait 7, 8, 10 batailles en Europe, en Espagne, ouais, la guerre péninsulaire, contre Napoléon. Donc, c'est des gens aguerris. Et dans un sens, c'est des gens qui sont drillés. Et ils sont drillés à tuer. Ouais. C'est des gens, tu te mets pas en avant de leur baïonnette. Eux autres, ils avancent coûte que coûte. Mais on n'a pas eu besoin de faire ça dans une ville, là. Non, mais ça a servi plus tard. Ça a servi à monter des milices dans le temps des événements de 1837-1838. Il y a eu 4 compagnies mises sur pied, toujours par le biais de la place d'armes. Ouais. Et il y a beaucoup de vétérans de la guerre de 1812 qui ont participé à ces milices-là, les compagnies loyales, ouais. Dont Elliott était le colonel à ce moment-là, et ouais. non pas le major ouais. ou lieutenant-colonel. Il était devenu colonel. Et c'est lui qui dirigeait 10 compagnies de 100 hommes ouais. Dans tous les cantons de l'Est. Et ouais. son but, c'était de chasser le patriote. Ouais. Alors, c'était sa job. Et il l'a fait à partir de la place d'armes ici, où il y avait 4 compagnies qui s'entraînaient. OK, c'est ça. Plus tard, en 1861, il y a eu les Fenians. Des Irlandais américains qui veulent s'emparer du Québec pour faire libérer l'Irlande. Alors, ils essaient d'entrer dans les cantons de l'Est. Et là, la couronne, à ce moment-là, va mettre sur pied les milices. Et, entre autres, à Drummondville va ramasser tous les corps de milices des villages environnants. Et la place d'armes va servir probablement encore à ce moment-là. C'est ça. Là. Vous dites probablement, c'est ça. Là. On voudrait savoir. C'est pour ça les fouilles archéologiques aussi. Oui. Vous allez fouiller ça pour voir à quoi ça pouvait bien servir, qu'est-ce qu'on va découvrir là-dedans. Mais pourquoi c'est important d'aller fouiller ça? Qu'est-ce que ça va nous apprendre? Alors, beaucoup de choses, à savoir, bon, est-ce que les Abénakis avaient déjà un endroit où ils logeaient, où ils campaient,
quand ils venaient dans le coin, parce que le coin était très giboyeux. Il y avait beaucoup de saumon dans la rivière Saint-François. Oui, oui. Donc, c'était un lieu important, tout comme la pointe à l'art du côté de Wickham. Alors, c'est des lieux où, oui, il y a du partage, mais aussi il y a de la nourriture. Et avec la nourriture, on peut faire vivre notre famille. Donc, il y a des trucs... Donc, ils campaient ici aussi. Là. Oui, oui, oui. Et il allait un peu partout là, pour piéger, pour tuer des chevreuils, tout ça, pour nourrir leur famille, finalement. Ah, ouais, ouais, c'est ça. Quand arrive Eriot, c'est la même problématique, eux autres aussi. Ils ont un nombre limité de rations pour leur famille. Et il y en avait pour 6 mois. La couronne pensait qu'en dedans de 6 mois, les vétérans allaient pouvoir cultiver, puis blablabla. Et c'est pas ça qui s'est passé du tout. Il y a eu un volcan en Indonésie qui a craché dans l'atmosphère des tonnes et des tonnes de fumée. Ça. Oui, pendant 2-3 ans, il n'y a pas eu de récolte ou à peu près pas parce que le sol a gelé à la fois au mois de mai, au mois de juillet, au mois d'août. Pas de récolte. Une grosse famine. Famine, oui. Et ça a fait que, bon, les villages Abenaki qui avaient à à l'avenir, du côté de l'avenir, les Abenaki sont partis parce que là, le coin où ils, eux, chassaient, ben, du jour au lendemain, il y a 500 chasseurs de plus sur le même territoire parce que là, il n'y a plus de rations. Eriot est obligé d'aller se battre pour avoir que carrations. Il n'y en a pas eu beaucoup. Et les gens chassaient tout ce qu'ils pouvaient pour être capables de survivre. Oui, c'est ça. Et pourquoi l'Angleterre ne pouvait pas en envoyer plus de rations? C'est qu'après la guerre de 1812, c'était aussi la fin des guerres napoléoniennes. Oui. Et tous les régiments britanniques retournaient en Angleterre. Il y avait énormément de chômage. L'Angleterre croulait de dettes parce qu'il avait monté une flotte des régiments. Puis là, à un moment donné, les créanciers ils voulaient récupérer. Donc, pas de rations, très peu d'encouragement de la part de la couronne, des stratèges militaires. Les vétérans se sont trouvés ici pris. C'est ça. Mais ça, c'est le contexte, là, Maurice. Là. Ça, c'est le contexte. Mais qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? Qu'est-ce qu'on... Si on fouille, là, on pourrait trouver de quoi qui pourrait nous intéresser, qui nous dirait quoi? Bien, premièrement, des trucs, des pointes de flèche, des trucs comme ça, du côté des Abenaki. Du côté des vétérans, on pourrait trouver des artefacts. Bon, exemple, en 1826, il y a eu un feu. Et les casernes ont passé feu. Et dans ces casernes-là, dans une de ces casernes-là, il y avait 500 fusils. Donc, ces fusils-là, ils ont brûlé. Ils ont fait quoi avec, en tout cas? Et bon, sûrement de la poterie. Après, les vétérans, à Drummondville, est arrivé les immigrants, à la fois irlandais et écossais. Ouais. Donc, probablement encore là, de la poterie, des meubles, possiblement. Si on fait la recherche, il y a sûrement des bases de ces casernes-là qui existent encore sous terre. C'est ça qu'on va savoir quand ça va être dévoilé. Là, j'imagine qu'on va faire un rapport éventuellement là-dessus, qu'on va voir qu'est-ce qu'il y avait là-dedans. Et ça, ça va être intéressant. Puis vous allez revenir à ce moment-là nous expliquer ça, parce que moi, c'est déjà terminé, Maurice. Ça va vite, hein? Mais moi, j'aime bien ça, puis j'aimerais ça qu'on revienne là-dessus quand ça va être le temps de voir qu'est-ce qu'on a découvert là-dedans pour voir le sens de ça pour voir comment sur leur quotidien on vivait. Puis c'est quand même, ça se passait à Drummondville, hein? Il y a 200 ans, 250 ans. Oui. Merci beaucoup, Maurice Vallée. Merci d'être venu de Mont-Saint-Hilaire, d'être descendu pour venir nous voir ici. Merci beaucoup. Merci. Alors, quant à moi, j'espère, vous, la maison, que vous avez apprécié. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Merci au réalisateur Danny Gamelin. Et puis, allez, au revoir.